pas dire que l'Europe soit plus attractive que les États-Unis. Les États-Unis, à eux seuls, c'est la moitié des flux migratoires vers les pays de l'OCDE. Donc, de ce point de vue-là, l'Europe reçoit relativement moins de migrants que les États-Unis. Simplement, un des facteurs importants dans la migration, c'est évidemment la proximité géographique. L'Europe étant proche des zones de conflit, des zones qui génèrent des réfugiés, dans la crise actuelle, oui, c'est la principale destination, parce que c'est le pays qu'on peut aussi, auquel on peut accéder relativement facilement, puisque l'Europe a des frontières avec la Turquie notamment, avec des pays proches des zones de conflit. Donc ça, c'est la principale raison qui rend l'Europe attractive dans la crise actuelle. Mais de façon générale, globale, les États-Unis accueillent plus de migrants, sont relativement plus attractifs, notamment pour les migrants qualifiés, du fait d'inégalités salariales plus grandes bénéficiant aux travailleurs qualifiés dans le cadre enfin, sur le marché américain. Plusieurs raisons à ça, c'est difficile de les démêler. On peut dire d'une part que dans le cas de l'Allemagne, c'est un pays qui a des perspectives économiques qui paraissent séduisantes pour beaucoup de personnes. Hein. Donc on migre pour trouver un asile, un abri, mais aussi on veut se construire un avenir. Donc on veut pouvoir s'insérer économiquement, avoir des perspectives d'emploi, de revenus. Et donc de ce point de vue-là, l'Allemagne est un pays relativement attractif, qui a une demande aussi pour des raisons démographiques sur le marché du travail, qui fait que les migrants ont de bonnes perspectives de s'intégrer économiquement en Allemagne. Dans le cas des pays scandinaves, la Suède principalement, ces pays sont aussi des pays relativement riches, donc relativement attractifs, mais sur le plan de l'asile, ils ont des politiques, disons, assez généreuses. Ils ont une tradition d'asile assez ancienne et assez généreuse dans le sens où les réfugiés qui arrivent et qui obtiennent le statut de réfugié obtiennent de bonnes conditions en termes de logement, en termes de droits sociaux, en termes d'aide à l'intégration économique. Hein, donc ces deux facteurs-là jouent en faveur de ces pays. Il y en a un troisième qui est important, c'est que les migrants cherchent à aller, qu'ils soient réfugiés ou à d'autres titres, cherchent à aller vers des endroits où il existe déjà des communautés de leur pays d'origine parce que ça facilite la transition, l'intégration.